que le PSG a manqué de caractère ce soir? Non, pas du tout. Pas du tout. Surtout après qu'on a été en difficulté la première mi-temps, c'était 2-0 pour Liverpool et on a mis le caractère pour revenir au score. C'est rien à voir. Je suis content avec mon équipe, avec la prestation qu'on a démontrée aujourd'hui. Mais le match est de très très haut niveau, il faut être attentif chaque moment. Aujourd'hui, le foot nous donne la punition, si on peut dire comme ça. Mais le moment d'avoir la tranquillité, de maintenir la tranquillité dans le vestiaire, et de continuer à travailler. Et de savoir le moment exact pour continuer à jouer, parce que pendant le match, on n'a pas beaucoup joué. On a essayé de jouer long et l'équipe de Liverpool fait beaucoup de pression haut et on n'a pas trouvé pas beaucoup de possibilités de trouver Ney, Mbappé et Cavani devant. Mais je crois qu'on a fait un bon match, mais le résultat c'est comme ça. Thiago, la défaite est cruelle dans les dernières secondes, mais est-ce qu'elle est logique? Est-ce que Liverpool n'a pas été meilleur que Paris finalement ce soir? Je crois que c'était un match équilibré, non? Je crois que PSG l'a contrôlé 10 minutes, après Liverpool 10 minutes. C'était un match plus comme ça, parce que c'est un match très très haut niveau, tu dois être attentif chaque moment. Et aujourd'hui, on n'était pas 100% concentré, parce que normalement, des buts comme ça, on ne sont pas habitués à prendre. Et aujourd'hui, c'était différent, et c'est le foot. On doit faire attention à ça, à voir tout ce qu'on a fait de mauvais aujourd'hui pour ne pas répéter pour le deuxième match. Est-ce que normalement c'est un match pour Neymar, Thiago Silva? Est-ce que tu n'es pas déçu de sa prestation? Non, pas du tout. Il a essayé d'aider l'équipe. Il a fait tout ce que le coach a demandé. Malheureusement, le résultat c'est ça. C'est comme ça. Après, les gens ils vont essayer de trouver un coupable. Mais le coupable c'est nous. C'est les 11 qu'ils ont joué. Et les autres qui sont rentrés, c'est comme ça. On essaye de partager la responsabilité à tous.